Hey, salut tout le monde, ça téléphone, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Moi, ce qu'on trouve aujourd'hui sur GTA V en live pour vous présenter un petit peu la décoration, pas de la ville, mais du casino. Comme vous avez remarqué, on peut voir déjà qu'il y a des flocons de neige sur les écrans. Et ensuite, sur les parties de jeu, on voit quelques décorations qu'on n'avait pas vues auparavant. Mais c'est super sympa, franchement, c'est super sympa. Franchement, j'adore. Ils ont rajouté deux, trois trucs. Ah ben ouais, c'est vrai que GTA, c'est pas encore fini, mes amis. C'est pas vraiment fini cette année. Je pense qu'ils se sont tous mis d'accord, les créateurs des jeux. On dirait qu'ils sont en train de faire une compétition. Regardez, c'est pas joli, c'est sympa, c'est un petit peu original. Il y en a celui-là, et puis il y en a d'autres quelque part au fond que j'avais vu. Voilà, ouais, je peux avancer un petit peu plus vite. Voilà, celui-là aussi. Mais dommage qu'ils n'ont pas changé de couleur. Je sais pas, voilà, de faire des couleurs différentes, je sais pas. Un petit peu de vert, un petit peu de rouge et un petit peu de blanc. Pardon, ce serait bien. Bon, la voiture à gagner, je sais pas du tout c'est quoi comme marque. C'est pas du tout marqué. Donc on a vu à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Parce que pour l'instant, je découvre aussi avec vous ce qu'il y a aux alentours. Allez, hop, on va découvrir ça vite fait. Inside Crate, qu'est-ce qu'il y a à nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau? Par ici. Est-ce qu'il y a des trucs impressionnants? Non, il y a rien qui a changé par là. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste un petit peu de déco de Noël. C'est déjà pas mal. On va dire c'est déjà pas mal. On va pas chercher plus. On va aller voir ensemble ce qu'il y a sur Internet et tout ce qui est en réduction en même temps. Qu'est-ce qu'il y a en réduction cette semaine? Hop, allez, on va regarder ensemble. Alors, on va commencer par ici. Sur Arena, il n'y a jamais un truc. Enfin, il n'y a jamais. En même temps, je ne suis pas vraiment intéressé. On regarde vite fait. C'est vrai que depuis le DLC, il est sorti, jamais. Enfin, j'ai fait deux ou trois courses. Mais pas plus, quoi. Sur Benny, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. À part quelques-uns. Mais bon, c'est pas mal déjà, hein, ce qu'il y a là-dessus. C'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va voir Atlas. Atlas, pour l'instant, j'ai rien acheté sur Atlas. Donc, est-ce qu'il y a un truc de réduction? Ça n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a rien qui est en réduction. Et puis, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et en légendary, qu'est-ce qui a changé? Donc, je vais mettre le plus fort, le prix le plus fort comme d'habitude. Non, il n'y a rien. Ah, si. Pegasi Tezera qui ça a baissé. Heureusement, j'ai déjà acheté. Enfin, j'ai déjà acheté ou j'ai déjà gagné au casino, je sais plus, je m'en rappelle plus. Il y a Tezera qui a, pour les gens qui ne l'ont pas encore, c'est l'occasion pour l'acheter. Il coûte 1 695 000 au lieu de 2 825 000. Il y a 1 million d'écart, enfin 1 million à peu près, 1 500 000 quoi, d'écart. Donc ça tombe bien pour cette fête de Noël d'acheter des Tesseract, enfin, on va dire, dans virtuel. Allez, on arrive. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres qui... Non, il n'y a rien d'autre dans Legendary. Et on voit dans Warstock, qu'est-ce qu'il y a de gratuit. Mais bon, là, j'ai fini le braquage, mais je pense qu'il faut que je recommence. Parce qu'il y a quelques voitures que j'ai pas encore débloquées, enfin débloquées, mais le prix quoi. Je vais voir par rapport
au prix. Ah, il y a Deluxo qui est baissé. Au lieu de 3 millions 550 000, il y a 2 millions 485 000. Ouais. Et il y a aussi le fameux barrage. Mais bon, je vais pas tout. J'ai déjà acheté le nouveau DLC, donc je vais éviter de dépenser pour l'instant. C'est vrai que y a tout ce que j'ai pas encore, tout ce qui est en promotion, je les ai pas encore achetés. Si à part APC, je viens de l'acheter tout simplement. Enfin, je viens de l'acheter, mais malheureusement, j'ai acheté avant de faire la vidéo. Je suis vraiment désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en réduction? Il n'y a rien d'autre en réduction. Ce qui est plus intéressant, c'est Delixio. C'est vrai que j'ai envie de l'acheter. Hein. Delixio, c'est le plus cher, mais ils ont baissé les prix. J'aurais bien aimé l'acheter, mais bon, malheureusement, voilà quoi. Voilà. Je vais attendre encore un peu. Je vais encore faire quelques marchandises et après, bah, pourquoi pas. Si je peux acheter, bah, j'achèterai. Bah, sinon, tant pis. Hein. Sinon, il y a aussi il y a Stromberg. Stromberg, bah, c'est pas une voiture, on va dire, impressionnant, hein, mais c'est bien de l'avoir aussi. Mais sinon, c'est bien, ce serait bien d'avoir un petit Delixio prix très bas. Bon, comme je glitch pas, vous avez vu en haut à droite que je suis pas très très riche, donc je vais éviter d'acheter tout et n'importe quoi. En fait, tout est fur et à mesure, même s'il faut que je fais 10 ans, enfin, je dois faire 10 ans de GTA. GTA 5 online, ça ne me dérangerait pas à partir du moment où je me dis que je suis honnête dans le jeu. Il y en a qui font l'argent facile, mais après je dis à quoi bon de faire ça, sachant que si vous achetez tout, vous avez plus rien à faire. Voilà. Donc, dans ce côté-là, on a vu pas mal, mais bon, après, du côté appartement, je pense que ça ne sert à rien d'aller regarder. Ce serait bien à l'avenir si, comme j'ai dit, on peut louer un petit peu les appartements, ce serait bien, ou louer notre propre voiture. On va voir ce qui se passe dehors. Ah, c'est tout blanc, comme tous les ans, à partir du mois de décembre jusqu'à fin janvier, je pense. C'est tout blanc, mais la dernière fois que c'était tout blanc, j'avais pas de l'oppresseur. Donc là, ça fait plaisir de le voir de haut. Enfin, si, j'ai déjà un hélicoptère avant, mais là, avec l'oppresseur, c'est plus agréable à regarder en bas. C'est vraiment joli, c'est tout blanc partout. C'est magnifique. On va descendre un peu plus bas pour voir. Mais bon, malheureusement, les routes. Mais bon, après, on sait tous que quand il neige, les routes, c'est pas vraiment très très facile à emprunter quand c'est pas débélayé. Je vais y arriver. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur GTA en ce moment pour on va dire pour ceux de vite fête de Noël et de fin d'année. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like et de faire partager comme d'habitude. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao!